Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est mardi 13 février 2024. Bienvenue dans la deuxième édition Journal en Créole, nous a présenté par collaborateur Jerry Cherestal en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan national, gagné deuxième jour carnaval là lui-même qui était annoncé par Premier ministre Ariel Henry passé en Malmakak qui donc avec plusieurs gangs qui t'a tiré plusieurs moun en dedans population qui c'est carnaval arrivé qui rivé blessé ça baille gros kekasi. Actualité concernant pays d'Haïti, gagné président Luis Rodolfo Abinader Corona, président dominicain, nan Nations Unies attiré attention communauté internationale là nan yon crise humanitaire population haïtienne nan lui-même li a passé à cause de gang lui-même qui mettait population nan situation extraordinaire et même dépassé par les événements. Et l'armée Israël lui-même a préparé une façon pour passer une vitesse supérieure à une opération dans Rafah qui donc ça va gros qui cassé ensemble avec Washington et plusieurs autres pays dans monde là. C'est pour ça yo à divers plots nous va gagner pour nous développer pour. Dans journal ça, restez connecté avec nous une façon pour bien informer. Une autre fois encore, gros bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans développement journal Sila. Jeudi a encore amis internautes gang dans pays d'Haïti montré que c'est eux même qui a fait la loi. Eh bien après que yo fin attaqué hier plusieurs endroits dans pays d'Haïti, surtout dans plein du cul de sac en tant que gen route 9 avec plusieurs l'autre côté, eh bien jeudi a yo décidé attaquer pénitencier national côté que plusieurs nèg armé lourdement armé rive sorti pour attaquer eh bien pénitencier national grâce ensemble avec en vigilance la police nationale d'Haïti avec quelques autres agents qui étaient sous place dans pénitencier national rive repousser bandi sa yo et capable d'après formation qui rive joine nous et gagner plusieurs moun en dedans population qui même rive blessé avec coup de balle bandi pendant que même yo te décidé attaquer pénitencier national qui c'est plus grand prison qui gagne dans pays d'Haïti. Gagné actualité a concernant carnaval, gagné hier amis internautes qui c'était deuxième journée carnaval là et bien hier bandi rive attaquer population, rive attaquer tout le monde qui te trouvé sous champ de masse, qui t'a pris plaisir yo danser yaya koyo et dans même optique ça gagné pendant yo a danser population yo même gagné gang qui rive tirer tout côté sous population, divers moun rive blessé et gagné yon chauffeur camionnette qui rive prend en balle bon côté base la meilleure bon tour 2004 ça qui baille en pile qui est cassé et en pile problème et gagné divers l'autre monde qui rive blessé pendant moment carnaval là pour jeudi à qui c'est troisième jour carnaval là jusqu'à 2h et même 3h aucun chapat même arrivé passé aucun monde pas disposé pour qu'il même yo capable yaya ko yo même gens ensemble avec premier jour et deuxième jour et bien qui donc monde ça yo obligé rester attendant pour année 2025 pour qu'on ait est-ce que a bien yo carnaval qui capable différent de carnaval année ça qui était baptisé amis internautes carnaval premier ministre Ariel Henry. Gagné président Luis Rodolfo Abinader Corona, président dominicain, lui-même dans Nations Unies qui attiré attention et bien communauté internationale là pour montrer comment que Haïti lui-même il est en crise humanitaire et bien moitié dans population haïtienne dans trouvé non situation qui extrêmement compliquée qui pas capable joindre suffisamment de manger pour même capable manger à cause de gang qui a bail problème en dedans pays d'Haïti et bien à cause de gang sa yo et bien le président Luis Abinader lui-même bon côté parle lui mettait fait une alerte côté que lui-même lui montrer que à cause de gang sa yo qui a bail problème dans pays d'Haïti lui dit il possible pour que ça capable arriver sur une guerre civile entre gang armé yo ensemble avec une série de moun qui trouvé en dedans police nationale là parce que Jean situation lui-même nié
population lui-même yo décidé marcher contre bandi et bien gang yo même yo décidé marcher contre population qui donc et bien à cause de Guy Philippe qui avançait Guy Philippe qui disposait mettre col de yo pour que capable et bien faire révolution ça gagner Luis Rodolfo Abinader Corona lui-même il fait comprendre à cause de gang et bien ça est capable de déboucher sous une crise et même est capable de déboucher sous une guerre civile. Gagné numéro 1 parti EDEA, Claude Joseph qui a annoncé manifestation pour jeudi, jeudi 13 février 2024 là, et bien jeudi a pour monter devant primature, et bien gagné plusieurs agents policiers qui fait usage de gaz lacrymogène et bien couru derrière et bien tout temps partisan parti EDEA ensemble avec lui, avec Claude Joseph qui donc mais bien numéro 1 lui-même qui t'a demandé pour que lui pour que Premier ministre Ariel Henry capable tirer la révérence et quitter tête primature là quitter tête pays pour que capable gagne un autre monde qui pour remplacer pour capable organiser élection pour population capable choisir monde que lui-même livré dans ça monsieur yo agent de l'audio yo choisi fait usage de gaz lacrymogène et Claude Joseph lui-même qui rivait t'a rivé bavé et même by quantité de l'eau Boulbaye, eh bien, agent sécurité lio est obligé, eh bien, accompagner pour que capable retirer le langage ça pour comment lui-même est capable subsister. Comme ça, tout gagné leader parti politique Petite Dessalines lui-même Moïse Jean-Charles lui-même qui t'est décidé, eh bien, bail une conférence de presse pour annoncer demain cap 14 février 2024 là, eh bien, pral gen yon méga manifestation côté que li déjà annoncé 3 journées mobilisation côté que ça pral capable marcher que c'est jeudi, vendredi et samedi qui viennent là et même dimanche ils décidé pour que capable faire une nouvelle journée manifestation et ben ça les même yo pral rive directement devant ambassade américaine pour dire américain suspendre et bien encourager Premier ministre Ariel Henry nan médiocrité nan sa que lui-même li a fait pour qu'il capable tout pisi population nan yon rapport Nations Unies lui-même li bay zami internet li montre gen plus passé 1000 moun ki déjà perdit la vie aux amis internautes dans question gang et eh bien qui décider pour capable prendre tout territoire qui gagne dans pays d'Haïti qui voyait population jeter dans ça ça gagne plusieurs gang tout qui veut perdre la vie mais quand il s'agit de population li dépasser 1000 moun qui déjà perdit la vie aux amis internautes gagne l'armée Israël yo même qui pas décider camper sous question guerre ça qui a bay problème et bien entre eux même ensemble avec militant Hamas 7 ans octobre qui s'est passé à côté guerre ça lui-même il était commencé gagne 28 000 moun gagne 28 000 palestiniens qui déjà fait voile pour pays sa chapeau et parmi moun ça madame mademoiselle dit monsieur et gagne l'autre tout côté que militants Amasio yo même yo rivé kidnappé et gagné militaire Amasio militaire et militaire israélien yo décidé pour que capable continuer attaquer dans Rafa côté que pour que capable libérer pour libérer et bien otage et même exterminer tout militant Hamas qui gagné cap vivant en notre territoire ça gagné déjà hier côté que yo même l'armée Israël yo té rivé libérer deux citoyens israéliens la côté que population té content en pile israélien content famille content et bien kounya là c'est en l'autre vitesse supérieure que yo même yo décidé passer pour comment que yo capable fini ensemble avec tout militant Amasio pour comment que yo capable et bien rivé dans un moment pour yo fini ensemble avec moun sa yo qui déjà kidnappé un latrier palestinien et bien vitesse ça qui disposé passer pour comment que yo capable fini ensemble avec militant Amasio ça lui même ça va gros cœur cassé ensemble avec Washington avec plusieurs autres pays cap observer guerre ça entre l'armée israélienne ensemble avec militants Amasio qui commençait depuis 7 octobre 2023. Voilà, amis internautes, c'est tout point ça yo avec divers plots nous t'arrivé développé pour vous. N'a quitté ensemble avec confrère nous yo et bien dans la voix de l'Amérique pour plus de Jacques Lambert Lizère. Quelques grands points cap dominé actualitaire.
Actualité internationale, l'armée Israël a paré pour le passer en vitesse supérieure avec une opération militaire dans Rafah, ça qui bat Washington avec plusieurs autres pays qui sauté pour la population civile. Là. États-Unis, Sénat a approuvé une assistance militaire 95 milliards de dollars pour trois pays, Taïwan, Ukraine et Israël. Concernant le pays d'Haïti, dans les Nations Unies, président dominicain Luis Abinader a attiré l'attention de la communauté internationale là, sur moitié population haïtienne qui vit dans une crise alimentaire à cause de violences gangamées. Et puis, carnaval en Haïti, au Brésil et dans Nouvelle-Orléans, VOA Creole sous place. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New Orleans. Voilà, et VOA Creole, plusieurs côtés dans l'occasion carnaval là. Mais on a commencé avec une nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti. Moun individu qui était armé juste en dedans, eh bien, attaqué pénitencier national là. Mais force de l'ordre t'a résisté et ça t'a tout affecté par coup carnaval là. Non, Port-au-Prince n'a pas pour nous retourner encore sous carnaval là. Et puis, grand point cap dominé actualité là, dans une déclaration li fait dans les Nations Unies, jeudi mardi 13 février 2024 là, président de la République Dominicaine là, Luis Abinader, eh bien, déclaré que yon guerre civile prête pour éclater dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire t'a suivi pour nous, discours président dominicain. Président de la République dominicaine, Luis Abinader, exprimé qu'assauté-li par rapport avec la situation Haïti, que les décrit tant qu'urgent pendant un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Il est le premier président dominicain qui j'en prend la parole devant le Conseil. Le résultat est que aujourd'hui, Haïti, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. Le résultat, c'est que Haïti est un pays gang criminel fin contrôlé, prêt pour la guerre civile éclatée. Abinader dit que ça vient aggraver la situation, c'est groupe paramilitaire et leader politique, que le dit présenter tête tant que sauveur peuple devant un pays qui besoin sécurité, manger avec la paix. Abinader souligne que la violence gang a un impact sur non seulement le pays Bali, mais toute région, et que la communauté internationale a passé à l'action au lieu de parler de là. République dominicana no da a Haiti lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. La République dominicaine pas bay Haiti sans douel, mais plutôt ça les besoin. Époque promesse là fini. À partir d'aujourd'hui, n'a pas entré dans le moment action. Si nous pas bay l'argent kounye la, Haiti pral plonger dans une situation irréversible. Un échec comme ça t'a menacé pays ensemble avec toute région. Nuestra consigna de hoy en adelante será: o luchamos juntos para salvar Haiti o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Lydie, à partir d'aujourd'hui, la consigne à suivre, c'est soit nous goumen ensemble pour sauver Haïti, ou soit nous goumen pour contre nous, pour protéger la République dominicaine. Président dominicain dit, depuis le mois de septembre 2021, le gouvernement Lian a lancé appel à membres de l'ONU sous conditions sociales qui détériorées en Haïti. Lydie, malheureusement, l'ONU n'a pas agi en urgence ni avec sévérité situation mandée. Abinader dit qu'il apprécie l'offre Kenya fait pour diriger une force multinationale pour aider Haïti à gérer l'insécurité. Mais la forte communauté internationale là voyait l'argent qu'il était promettre pour financer la mission ça. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Président Abinader t'a tout profité pendant la palais pour attirer l'attention communauté internationale là sur moitié population haïtienne qui a fait face à une crise alimentaire li dit à cause de violence gang armée. Et puis dans moment les États-Unis même la fait démarche pour force multinationale la déployer dans pays d'Haïti, il y a plus passé 1000 monde qui perdu la vie à cause affrontement gang armée mais qui a gommé pour question territoire d'après un rapport Nations Unies publié. Sous place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Dans moment plusieurs milliers de monde différentes zones, précisément Rivière Froide, qui est dans la commune Kafou, la plaine qui est dans la commune Kouadebouquet, abandonné caillou pour y aller prendre refuge, soit caillou famille, yon zami, ou bien sous place publique pour yon pas victime. En babal gang armé kap boukante coup de balle entre yon pour territoire, Nations Unies publié un rapport vendredi 9 février 2024 qui fait état 1108 monde qui mourit pour mois janvier 2024, soit trois fois chiffre, il était enregistré en janvier 2023. Chiffre réparti comme ça,
selon rapport Nations Unies. Pour Pipiti, 806 personnes qui pas impliqués dans l'escalade de violence, tués, blessés ou bien kidnappés, avec 300 membres gangs qui mourent ou bien blessés. Au commissaire Nations Unies pour droit moun, Volker Türk, lancé avertissement par acteurs concernés pour prendre décision appropriée par rapport à la dégradation catastrophique du droit en Haïti après dernier chiffre ça a montré mois janvier ça bataille est devenu plus violent depuis plus passé 2 ans. Pendant ce temps, selon une source ministère de la Justice pays d'Haïti, une rencontre déroulée aux États-Unis d'Amérique, précisément Washington, lundi 12 et mardi 13 février 2024 sous déploiement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. D'après même source-là, c'est ministre justice et sécurité publique là, Emily Prophète Milse, dans tête une délégation qui est là-dedans, DGPNH là, France LB, avec 3 inspecteurs généraux qui participaient dans la rencontre ça pour Haïti, une délégation 14 membres qui sortit dans le pays Kenya avec quelques officiels américains, d'un coup sous-secrétaire d'État américain Todd Robinson, Chris Landberg et divers autres. Pays contributeurs comme Espagne, Italie, Bénin, Canada, Bahamas, Mexique, Afrique du Sud, Jamaïque, Union européenne et divers autres te prennent pas dans la rencontre là tout. Faut dire que c'est une rencontre qui déroulait en marge à réunion groupe 20 ministres affaires étrangères qui fixait pour 22 février 2024 dans la ville Rio de Janeiro, pays Brésil. D'après agence presse Bloomberg, c'est les États-Unis d'Amérique qui convoquaient rencontre donateur Sayo pour accélérer processus déploiement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour venir aider PNH rétablir l'ordre et sécurité sous toute étendue territoire national. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et bien toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, dans la capitale là, la police crasée à gaz lacrymogène, manifestation et parti politique aidé tap fait contre gouvernement Ariel Henry. Massado Vilme, gen détail. Si après manifestant haut a tenté prendre direction résidence officielle Premier ministre Ariel Henry, force de l'ordre lancé plusieurs gaz lacrymogènes pour empêcher protestataires aboutir à destination yo. Manifestant yo qui était très en colère dénoncé Premier ministre Ariel Henry yo dit qui convertit gouvernement lien en régime boutzi. Ariel voye assassiner nous. Ariel voye assassiner nous. Ariel comment c'est le bon dictateur monsieur voye assassiner nous. Arrêtez Ariel. Ariel Moscou, Ariel ils sont dictateurs. Manifestants yo di a continuer rester dans l'aria jusqu'à ce que yo mette deux gouvernement Ariel Henry à terre. Bay gaz, tirer sous peuple là, pas tirer sous peuple là, n'a toujours été mobilisé jusqu'à ce que nous déchouquer Ariel dans cette pays. La police a fait une mobilisation. Nous faisons carrément mobiliser. Mouvement, c'est mouvement peuple. Peuple dans une situation terrible. Nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas fonctionner. Nous voulons mettre la population directement dans une situation difficile. Nous avons intimidation liée. Nous ne pouvons pas prendre l'intimidation. La bataille jusqu'au bout. Il faut qu'Ariel suspende. Parce que Ariel va dire aucune légitimité. Ariel, pouvoir finir par dire rien, c'est un grand Ariel. Parce que Paris vous avez pas aucun espoir avec Ariel. Faut Ariel suspende faire violence sur la population. Nous dit au leader parti politique EDA, ancien Premier ministre Claude Joseph, qui était dans tête manifestation là, pas de guette en fait. Aucune déclaration, non journée, mobilisation ça. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vilmi pour VOA Créole. Et puis toujours dans le cadre levé campé anti-gouvernemental là, et bien, il y a un ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui est leader petite Dessalines, et bien, il a annoncé 3 journées de mobilisation contre le pouvoir Ariel Henry. Puis l'annonce est payant. Jeudi, cap 15 février 2024, nous allons commencer dans le cap résistance et nous allons bout devant fini. Nous allons parler avec le monde. Nous allons parler avec les Nations Unies. Le 16, vendredi cap 16, nous allons bout encore devant Primatilla. Son façon pour monter le monde entier. Mais qui ça? La victime en bas du gouvernement Sahara.
Mais nous clair, l'organisation, ils ont gagné plan par eux. Ils ont gagné plan façon pour déloger le gouvernement Sahara. Dimanche 4 18, dimanche 4 18, mobilisation, pour aller directement devant l'ambassade Tonton Sam. C'est ça que nous avons annoncé. Dimanche 4 18, si mon grand monde, quel que soit le monde coréen, mettez face nous, nous allons parler avec les États-Unis. Et mobilisation nous annonce là. Nous sommes concertés avec un pile de structure politique. Et ma part des populations, quel que soit le monde qui lance une mobilisation, entrer dans la mobilisation pour nous dérouter. Gouvernement de facto. Mais pas ici, dans 4-5 mobilisations lancées, ni Ariel Henry, ni M. Bourgeois, ni ambassade américaine, ni communauté internationale, ils n'ont pas jamais dormi parce que c'est lui, 20 mobilisations, la fête dans 4 points payants et nous ne pouvons jamais camper. C'était ancien sénateur, leader parti politique Petite Dessalines. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, et puis sous attaque qui fait sous pénitentiaire nationale dans Port-au-Prince, eh bien, nouvelle fait nous connaître qu'il y a plusieurs blessés, et c'était un groupe individu qui était lourdement armé, qui était attaqué pénitentiaire nationale là, mais force de l'ordre était résisté, ça qui affectait parcours carnaval là, dans occasion troisième jour. Actualité à nan international, nous pour aller dans Moyen-Orient dans un petit moment. Et oui, gros actualité dans la région Moyen-Orient, c'est toujours guerre Israël-Hamas là. Et bien, l'armée Israël a paré pour passer une vitesse supérieure à une grosse opération militaire dans Rafah, ça qui bat Washington avec plusieurs autres pays. Gros qu'est sauté en allant ça plus près. L'armée État hébreu a fait qu'on ait touillé plusieurs dizaines de combattants palestiniens dans l'affrontement dans Gaza dans les dernières 24 heures. Parmi eux, 30 dans Khan Younis, une ville qui tout près Rafah. Moumen Jber, c'est un déplacé dans Khan Younis qui a exprimé désespoir. Nous finis. Nous pas qu'on côté pour nous aller encore. M'a prié pour pression le monde entier a fait sous Israël pour mettre fin à la guerre et libérer nous. Nous fatigués. Nous avons couru tout partout sans nous pas qu'on ait côté nous pour aller. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit qu'il a presque fini avec ça. Pour lui, victoire totale, là, c'est une affaire de mois pendant qu'il a continué à pilonner. Khan Younis là. Combattant héroïque nous yo a frappé dans Khan Younis là qui c'est principal bastion Hamas. Nous mandé Tchahal là qui donc est force défense Israël là pour parer pour frapper tout dans Rafah et dans deux autres camps réfugiés dans centre qui c'est dernier bastion Hamas. Dans Washington même, président Joe Biden dit lundi, États-Unis a fait pression pour joindre une trêve 6 semaines pendant les répétées nécessités pour protéger les civils innocents dans Gaza après une opération militaire israélienne qui libérait 2 otages qui étaient dans main Hamas. Président Biden parlait comme ça pendant le tap recevoir roi Abdallah Jordani dans la Maison Blanche. Gros opération militaire dans Rafah pas de fait sans un bon plan. Un plan crédible pour assurer sécurité et soutien pour plus passer 1 million de monde qui prend refuge l'autre bord. Mounio déplacé plusieurs fois pour violence et qu'on y a trouvé coincé dans Rafah. Président Biden exprimé gros mécontentement pour être premier ministre Benjamin Netanyahu par coutel. Et il précisait à l'Elio dans la région a travaillé sans prendre souffle pour joindre notre rêve. L'autre question qui gagne dans le dossier Gessa, c'est pour violence pas gagnée dans toute région, surtout avec conflit entre Hezbollah et Israël sous frontière État hébreu partagé avec Liban. Et leader Hezbollah, Hassan Nasrallah, dit qu'il ne peut pas suspendre la bataille tout autant agression contre Gaza. Pas suspendre. Nous sommes dans le sud du Liban avec les genoux fixés sur Gaza. Les agressions contre Gaza ont campé et que coup de zame sous Gaza ont suspendu, nous-mêmes tout n'a suspendu tiré. Pendant ce temps de négociation a continué, président pouvoir palestinien Mahmoud Abbas trouvé le depuis dimanche 11 février à Doha pour une rencontre qui déroulait hier lundi à Qatar qui n'a mis tant négociation côté li accueilli tout dirigeant politique groupe militant Hamas. Et dans Gaza, situation a vint plus grave avec une crise grand goût sans pareil et qu'on y a c'est manger mon yo konbay bête yo même y a mangé.
danger. Le ministère de Santé Gaza que Hamas a dirigé dit qu'il y a plus passé 28 000 Palestiniens qui mourent depuis que la guerre a commencé dans la date 7 octobre 2023. Donc, négociations après continuer pour essayer de rejoindre une trêve qui est plus longue que ça qui est passé sous guerre entre Israël avec Hamas. Et puis, ici, aux États-Unis, le Sénat qui a approuvé une assistance militaire 95 milliards de dollars pour trois pays, Taïwan, Ukraine avec Israël. Marie-Louise Pierre, un détail. Sénat a voté bonheur mardi 13 février pour approuver un programme plus passé 95 milliards de dollars pour Ukraine, Israël et Taïwan, mais mesure ça a fait face à composition dans l'État républicain dans la Chambre représentant. Parlementaire a approuvé mesure ça par un vote 70 contre 29 avec plus passé une douzaine républicains qui mettaient avec démocratie pour appuyer. Vote Sénat a été fait en vent sur les levées après 8 opposants ligne du républicain dans aide Ukraine t'ai fait un discours marathon l'ennuit lan qui t'ai dominé chambre pendant plus passé 6 heures dedans. Après ont t'ai fin annoncé vote final là chambre dit Today we witnessed one of the most historic and consequential bills. Avec projet loi ça, Sénat a déclaré que leadership américain pas prononcé, pas faibli. Et puis il n'a pas échoué non plus tôt. Président démocrate Joe Biden a demandé au Congrès pour le presser avec nouveau aide là-bas Ukraine et partenaires américains dans l'Indo-Pacifique là, qui gagne la donne Taïwan depuis plusieurs mois. Après l'attaque à Hamas qui fait 7 octobre sur le peuple israélien, il a demandé tout l'argent pour allier les États-Unis ensemble avec assistance humanitaire pour les Palestiniens dans Gaza. Officiel ukrainien a été averti tout sous manque d'âme. Dans un moment côté la Russie a poussé pour pied devant avec nouveau attaque. Tous deux chambres congrès doivent approuver législation avant Biden Cassienne pour faire le vintourner loi. Mais loi sa assemblée gagne pile chance pour arriver dans chambre là. Côté président chambre là, républicain Mike Johnson te reproché lui pour être été manqué disposition conservatif pour empêcher une quantité record migrants traverser frontières États-Unis avec Mexique. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre. Et bien, président Joe Biden qui fait que se prend la parole là, quelques heures de ça dans la Maison-Blanche pour dire que, premièrement, lui demander pour Chambre députée à lui-même pour le faire même pareillement pour le capable voter et assistance ça pour trois pays ça que nous sommes cités là, Taïwan, Israël et avec Ukraine et il tout profiter attaquer ancien président Donald Trump qui lui-même est critiqué engagement que les États-Unis a prend envers membre OTAN et il tout dit que c'est dangereux et même yon bagay qui pas américain pour un ancien président a dit que y a permettre que la Russie fait invasion n'importe côté ça veut dire n'importe pays l'OTAN donc yon chire piton l'autre fois encore entre président Joe Biden avec ancien président Donald Trump nous parlons qu'on est dans pays d'Haïti nous parlons ouvert chapitre qui gère rapport avec carnaval nous t'ai parlé de carnaval en Haïti nous t'ai parlé de carnaval au Brésil et nous t'ai parlé de carnaval tout dans l'autre pays notamment dans New Orleans côté que nous avons envoyé spécialement mais nous parlons pas l'immigration d'abord avec Jean-Aubert Philippe. Ancien président Donald Trump, qui a participé dans un meeting de masse dans Conway, en Caroline du Sud, pendant le week-end, dans le sous du pays européen, il dit qu'il a pris un livre sur les États-Unis pour ne pas payer les cotisations pour la propre sécurité. Un des présidents d'un grand pays a stood up said, Well, sir, if we don't pay, le grand président des États-Unis dit, si vous ne pas payer les cotisations et puis la Russie attaque, est-ce que nous protégeons? Yes, moi dit sous pas payer cotisation ou c'est un délinquant non pas protéger en fait n'a pas courage pour faire tout ça ouvrir ou payer dette passion apparent en ce président gagné pour président Vladimir Poutine avec méfiance pour pays allié l'OTAN yo pas nouveau mais comment est-ce ça pour encourager Moscou attaquer allié l'OTAN yo provoquer une chaîne réaction par un pays européen yo dans une déclaration secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg publié il fait qu'on est n'importe quelle gestion comme quoi allié yo pas défendre une autre endommager sécurité nous y compris États-Unis et mettre à gori soldats américains avec européens. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte.
It exists or it not exists. Josep Borrell, chef politique étranger de l'Union européenne, a déclaré en sérieux, l'OTAN n'est pas capable d'avoir une alliance côté au place et une demande, tant que j'en fais ça dans un restaurant, soit il existe ou bien il n'y pas existe. Je ne pas perdre du temps pour commenter une idée droite et gauche qui prend la rue pendant une campagne électorale aux États-Unis. Pas aucun pays qui a une dette pour l'OTAN, tant que l'ancien président Donald Trump le fait comprendre. En 2014, l'Alliance Lente a pris un engagement pour payer. Mamio contribue 2% dans le produit national bruyot pour défense d'ici 2024. D'après estimation, l'OTAN dans le commencement de l'année 2023, 10 ou 30 parmi États Mamio étaient presque arrivés dans la cotisation 2%. L'expert fait remarquer que Trump mandé les républicains dans la Chambre des députés pour ne pas avoir l'Ukraine aucune assistance militaire aux États-Unis dans le même moment que l'Ukraine a lutté contre l'invasion de la Russie. Un autre expert déclaré par la Voix de l'Amérique, Congrès a mis en place quelques politiques pour protéger l'Alliance l'OTAN qui garantit sécurité en Europe depuis fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais l'autre expert dit qu'un prochain président américain est capable d'un autre moyen pour faiblir l'OTAN tant que retirer soldats américains en Allemagne ou bien laguer d'autres obligations aux États-Unis pour respecter l'article 5 défense mutuelle Alliance l'OTAN qui dit moyen une, moyen tout. Ça veut dire de pour attaquer une, reçu à mettre ensemble pour attaquer eux. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Et nous t'entendons qui Jean que président Joe Biden réagit par rapport à la déclaration que l'ancien président Donald Trump a fait. Quand nous parlons dans le pays d'Haïti et nous parlons ouvert un chapitre qui gagne à la fois carnaval et insécurité, tant qu'on nous a dit qu'il y a un groupe d'individus qui attaque les pénitentiaires, ça qui te fait que parcours carnaval a été modifié et nous avons pris contact avec le correspondant nous, Massiado Vilme, qui est même capable de nous faire une mise à jour sur qui Jean Carnaval là. Jacques Le Belize, dernière nouvelle sous dernière journée carnaval là. Faut que nous disons que il y a un raccourci dans le parcours Chayo. Depuis le premier jour carnaval là, eh bien, parcours Chayo c'était sorti devant la Cour cassation, pour être à l'bout devant Rex Théâtre. Eh bien, pour aujourd'hui, dans la dernière journée, il y a un raccourci total à cause du coup de balle qui a chuté dans le périmètre là. Selon l'information qui vient de nous, il y a plusieurs personnes qui sont déjà sorti victimes dans l'attaque du groupe civil armé qui a fait pendant la période carnaval là. Nous sommes place, je suis capable de voir là, les chars ne sont pas trop loin, place Oxygène. Tout presse international, les messieurs, là, chars, même là. Il y a environ 3h30 jusqu'à présent pour qu'il n'y ait aucun défilé chars. Et il y a quelques grands monde, quelques grands carnavaliers même qui sont place, capitaine pour qui j'ai eu le défoulé dans la dernière journée carnaval là. Toutefois, nous devons rappeler que hier, il y a un pile monde qui était sorti blessé. Non, yon attaque groupe civil armé te fait sous parcours carnaval là. Nous sous place pour nous permettre de vivre comme en dernière journée carnaval. Porte-président lui-même li Abdé ou les Jacques Le Belize. Merci Massiado Vilme. Massiado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince, nous établi contact et avec Pi Bonheur dans le programme là. Et qu'on y a actualité sur carnaval est là, jeudi à mardi gras a mené nous dans New Orleans, Nouvelle Orléans avec envoyé spécial nous Valerio Saint-Louis. Jeudi, c'est Mardi Gras et nous dans la ville Nouvelle-Orléans, New Orleans. C'est là que jeudi, a grosse célébration, ça a une célébration culturelle, traditionnelle, qui a fait depuis les années 1900 dans la ville. Ça. Une tradition qui réunit culture africaine, américaine, à côté de culture française et haïtienne, puisque culture créole est très présente dans New Orleans. Mardi Gras, ça, célébration, ça, rappelez-nous un petit peu pour les gens qui habituent dans New York. Ils rappellent un petit peu les bords du carnaval qui habituent à dérouler dans Brooklyn, New York. Mais particularité Mardi Gras, ça, qu'a fait dans Nouvelle-Orléans, dans New Orleans, eh bien, c'est parce que je dis, il y a un groupe social, culturel et traditionnel qui est les Zoulous, qui lui-même organisé défilé carnaval. Ça. Dès le là, c'est là que parade a déroulé. Nous voyons que depuis bonheur de matin, un pile monde commence à mettre chez eux, par des barricades pour participer dans Mardi Gras, ça. Au Mardi Gras qui est famille à déplacer, Tati Mounio, et certainement déguisement. Yo. Yeah.
Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New Orleans. Merci Valerio. Brésil, c'est pays carnaval. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste. Carnaval, c'est un pays gros fête. Brésil gagne pour vendre qu'il tili, attirer touristes et puis faire profit économique. Chaque février, un peu de monde motivé pour fouler béton. Pour São Paulo, presque tout partout, c'est ambiance. Mais il y a un rendez-vous qui est toujours cassé dans Samba Dromo à Imbi, côté l'école Samba au défilé. Fanatique, pas négliger acheter billets pour assister à l'événement qu'il tire ça pour encourager l'école Samba préférée. Présentation yo a déroulé sous thème qui a rapport avec histoire l'Afrique, qu'il dit Brésil, environnement, social, politique, pour ne citer ça seulement. C'est environ 33 l'école qui a bien pour défiler et défiler champion Carnaval São Paulo 2024 là, fixé pour samedi 17 février. Chez Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Et puis Tabou Combo avec Skacha sous yon scène, son affiche qui est extraordinaire, et Luxon Saint-Ville. Plusieurs mélomanes qui pifont la dent yon semoun ancienne génération, devine assister de Goja Sayo, qui marque musique haïtienne. Skacha number 1 ak Tabou Combo sou même podium, participants ont venu pour revivre une série bel moment. Yo te kon viv nan jenès yo. N'importe moment que yo gen deux gros band sa yo ensemble, ou konnen que yo pral vivre une expérience extraordinaire. N'a parlé de presque 100 combien années, oui combination, oui qui la ensemble non nuit. C'est pas ti année non. N'a parlé là. Tout de jazz très 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 bien joué. Je dis monsieur Kembe là pour qu'on parle. Nous va négocier qu'on parle devant jusqu'à la mort. C'était une soirée plaisir mais tout une occasion pour honorer des légendes Kubanou ak Fanfan Tibot. Eh ben, un sentiment de joie, de confort, de satisfaction, d'amour. Tous les adjectifs si tu veux, un bon sentiment. Et ça fait plaisir parce que le Atlas ou que et Mounio supporte ou encourage et ou que c'est ou ça fait plaisir. Encore une nouvelle plaque. Merci beaucoup. Tabou Combo son vous cap marché. Le succès en succès. Et plus ça continue, c'est plus on a pour connaître valeur nous, plus on a pour connaître travail à faire pour culture haïtienne et culture noire là à travers le monde. Nous faisons ce que nous bénis là, pour nous aujourd'hui devant 20 000 personnes. Tout le monde a apprécié la musique Tabou Combo et nous avons continué à faire travail là. Honoré des grands chanteurs en occasion 47 l'année BPX TV Réseau, c'était un devoir pour Jean-Sony Zulerion, que tout le monde connaît sous nom Sony Belle en forme, qui voulait continuer de travailler comme ambassadeur qu'il tient haïtienne. J'ai tout le temps ça, m'a baille menti pour la culture haïtienne. Quel que soit l'artiste là, je vais le monter. Alors je dis à son gloire pour moi. Le Tabou Combo, Skacha number 1 était d'accord pour venir sur la même scène pour BPX TV Réseau qui gagne une chaîne de télévision qui fait paraître et qui est la chaîne 18.6 digital dans la Miami, Florida. Je suis serviteur de la culture haïtienne et ambassadeur culturel pour Haïti. Je fais ça capable. Bonsoir tout le monde. BPX TV Réseau.